ce nouveau vlog. On est mercredi. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très très bien. Il fait vraiment super beau en ce moment. Ils n'avaient pas annoncé des belles vacances et finalement, franchement, on se régale. Donc, c'est super top. Alors, du coup, j'introduis dans la voiture parce que je pars emmener ma voiture au garage. Les enfants ont pris leur petit-déj en décomposé. Moi, quand je me suis levée, il y en avait trois de réveillés dans la chambre. Le temps que je descende, ils étaient déjà descendus et installés au petit-déj. Du coup, j'ai pris mon petit-déj avec eux et là, je suis partie. Eric est toujours pas levé, Anaïs non plus. Adam s'est levé pile au moment où je partais. Donc ça va se gérer en mon absence et je pense que voilà, peu de temps après que je revienne, Eric va partir travailler. Donc cet après-midi, j'en ai parlé un peu ce matin, ça n'avait pas l'air de les enchanter. J'aurais aimé qu'on retourne faire une séance photo, mais avec Anaïs cette fois, vu qu'il fait super beau. Juste, j'aimerais qu'on trouve un autre cadre pour pas refaire exactement les mêmes. Je vais réfléchir, on va voir ce qu'on va faire. En tout cas, j'espère que Anaïs sera intéressée parce que j'aimerais vraiment avoir des photos d'elle, d'elle avec moi, d'elle sans moi, d'elle avec ses frères et sœurs. Donc, j'ai envie en fait de mettre quelques photos dans ma déco d'intérieur et du coup, j'aimerais bien voilà en avoir des belles. Alors, j'en ai déjà une belle qu'on a faite hier, des quatre plus jeunes ensemble, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Anaïs soit avec eux. Voilà, donc je m'en vais déposer ma voiture au garage et je pense que je vous reprendrai quand je rentrerai. Bon les amis, je rentre à la maison. Ferrari, s'il vous plaît. J'ai laissé mon Zafira. Alors, honnêtement, ma voiture est vieille. Mais à côté de celle-ci, je pense qu'on peut dire qu'elle est récente. Je vous la montre, juste pour le fun. Quand même. De la grande classe, non? Une super 5, quoi. La pédale d'accélérateur, elle est tellement haute que je conduis la jambe en l'air tellement mes pieds sont petits et mon talon ne touche pas le sol. C'est très compliqué. Puis alors, niveau tenue de route, à 80, on a l'impression d'être à 150. Hein. Limite, on perd le contrôle. Trop top. Bref, je ne vais pas la conduire beaucoup. Normalement, il m'a dit qu'il me rappellerait demain soir. Donc, j'espère la récupérer demain soir, mais ça, c'est moins sûr. Donc, bah, je vous redirai quand elle reviendra. Bon, tu entends les enfants qui jouent là-haut. Possiblement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis que je suis partie. Les toilettes sont allumées. Le placard des enfants n'est toujours pas rangé. Hop là, on s'est perdu. Bon, je vais aller voir ce qui se passe un peu là-haut et puis je vous reprends après. Bon les amis, je vous reprends avec mon petit thé en main. J'ai essayé, enfin c'est pas du thé, c'est une infusion en fait. Mais j'ai essayé de le boire tout à l'heure et je me suis brûlé la langue. Donc c'est une... Ah, c'est encore bien chaud. Comme c'est une tasse isotherme, elle garde super bien la chaleur. En fait, ça ne refroidit pas. C'est terrible, ça fait plus d'une heure que c'est dans le pot et c'est encore brûlant. Bon bah je la boirai toujours pas maintenant, je m'étais posée devant mon ordi avec ma petite infusion, mais non, finalement je vais faire mon rangement d'abord et je me poserai après. Bon, je me suis posée parce que il fallait que je commande en fait comme je pars en Bretagne, alors je sais pas encore si on va partir vendredi soir, mais ça m'embête un petit peu parce que Eric qui rentre qu'à 20h30, du coup je me dis le temps, désolé pour le cadrage, j'aurais dû me mettre sur le... Ouais. Bon les amis, je vous reprends. Il y a Adam qui me dit j'ai hâte d'être dimanche prochain parce qu'on part fêter Pâques chez mes parents et justement c'était pour vous parler de ça que je vous reprenais. Je viens de me commander en fait deux petits accessoires, j'en ai eu pour 13,58 €, donc vraiment ça vaut le coup. Je me suis commandé un support pour poser mon téléphone dans la voiture parce que je vais utiliser le GPS et que je ne peux pas... en fait, j'ai pas de support dans ma voiture. Le seul que j'ai, en fait, c'est un tout petit rond qui se clipse sur l'aération, en fait, la grille d'aération. Sauf que, en fait, c'était quelque chose qui fonctionnait avec un aimant que j'avais collé sur mon iPhone 5S. Donc, ça remonte un petit peu. Et du coup, je voulais un peu le même principe qui se fixe sur le grille d'aération. Et là, je l'ai trouvé à 7 €, je sais plus, alors que moi, je l'avais payé. Alors là, en fait, il se fixe sur la grille d'aération, mais par contre, on pose le téléphone dessus. Enfin, ça fait vraiment un support. Alors que l'autre, c'était avec un aimant, donc il fallait coller quelque chose sur le téléphone. Donc là, je l'ai payé 7,50 € et à l'époque, je l'avais payé 12,99 €. Donc, je suis bien contente. Et puis, je me suis commandé aussi un chargeur voiture à domicile, puisque je n'en avais plus. Qu'est-ce qui se passe, Adam? J'ai dû refermer le pot de beurre, mais
avec 4 ports USB, s'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que déjà, je vais brancher mon téléphone puisque je vais l'utiliser comme GPS, qu'il va aussi fonctionner pour la musique parce que je n'ai pas d'autoradio. Donc, enfin, quoique c'est certainement celui d'Anaïs qui va fonctionner pour la musique parce que sinon ça coupe le GPS à chaque fois. Enfin, le GPS coupe la musique à chaque fois qu'il a quelque chose à me dire. Donc, je pense qu'on va mettre celui d'Anaïs. Ah ben non, Anaïs sera pas avec nous, je suis bête. Ah ben non, Anaïs sera pas là, donc c'est le mien. Donc, il va servir de musique et de GPS, donc la batterie va se décharger très vite. Et du coup, que je puisse charger les deux. Et en fait, il faut que je puisse charger également ma. Super, le voisin fait des travaux, j'ai cru qu'on frappait à la fenêtre. J'ai eu trop peur. Que je puisse charger aussi mon enceinte Bluetooth, parce que du coup, comme le son sera sur mon téléphone, ça va pas être très fort et les enfants vont pas entendre. Alors bon, en partant à 5h du matin, je pense pas qu'ils aient vraiment envie d'écouter la musique, mais on verra. Mais en tout cas, si c'est le cas, s'ils me demandent de monter le son, au moins j'aurai l'enceinte pour leur faire profiter un petit peu de la musique. Voilà, du coup, là je vais m'en aller faire des crêpes puisque c'est mercredi, tradition oblige. On n'a même pas de Nutella. C'est grave ça. Pourquoi? Bah, on ne fait pas des crêpes sans Nutella. Dis à Com ou à Elsa qu'ils aillent à la boulangerie acheter un pot de Nutella. Il n'y a pas la Demande-le. boulangerie. S'il y en a la boulangerie, elle envoie. S'il te plaît, mon Hé petit chat. maman, tu viens raccrocher, je vais te dire quelque chose. Faut que je raccroche. Adam, il veut me dire quelque chose. Non mais mort de rire. En fait, il voulait juste me demander pourquoi j'ai dit qu'on partirait vendredi soir. Mais en fait, on partira pas vendredi soir parce qu'Eric ne rentre qu'à 20h30 et le temps que nous, on lui dise au revoir, qu'on monte dans la voiture, etc. Enfin, on va partir, il va être 21h, ça va nous faire arriver à entre minuit et 1h du matin. Non, non. Donc j'aime autant partir à 5h samedi matin. Parce que j'aime bien arriver de bonne heure en fait. Je ne veux pas conduire en pleine journée parce que les enfants sont infects en voiture. Donc j'assure mes arrières, on part très tôt le matin. Et puis du coup, bah, c'est plus sympa. Mon petit chien, il est là qui couine. Il n'est pas bien depuis ce matin, il n'arrête pas de couiner, je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, chose importante. Du coup, je vais être livrée demain. En relais, mais demain. Donc, comme je dois normalement. Alors, j'ai déposé ma voiture ce matin, il m'a dit qu'il me rappelait demain après-midi. Donc, est-ce que je récupère ma voiture demain ou pas, je ne sais pas. Mais du coup, si je récupère ma voiture demain, j'irai les récupérer en même temps. Autrement, j'irai d'ici la fin de la semaine, j'irai certainement. C'est à l'accueil de Super U, donc j'irai certainement d'ici la fin de la semaine. Voilà. Bon, bah, sur ce. Hein. Je vais essayer de boire mon infusion. Ouais, c'est un peu mieux. C'est encore assez chaud, mais c'est un peu mieux. Alors, il y a un Ewok qui vient d'arriver à côté de moi. Faut que je vous montre. Ah si, bah remets ta capuche, sinon Mais ça fait non, plus mais je suis pas Ewok. démaquillée tout ça. Bah, tu passes derrière moi, on te voit, hein. Ah oh, mais j'allais me mettre dans le canapé. En plus, elle est malade, la pauvre. Elle a une angine. Méchante, hein. Non. Bon, bref, ça fait 3 fois que je dis, il faut que je m'active. Je suis motivée, hein, ça fait Ça se peur. voit, ça se voit. Ouais, ça se voit, ouais. Non, mais je vais plier mon linge d'abord, ensuite je vais aller faire les crêpes. Et puis, j'allais dire pendant que les crêpes cuisent, bah non, c'est moi qui les fais cuire, hein, n'importe quoi. Non, le rangement, je verrai ça début d'après. De toute façon, vu le temps qu'ils annoncent, je pense que la séance photo, elle est foutue. Donc, on verra demain. On verra demain. Ceci étant, demain, j'ai une amie qui m'a proposé d'aller se promener un petit peu dans les parcs et tout ça avec les enfants. Et du coup, je lui demanderai peut-être, c'est Justine. Je lui Pas la façon. demanderai peut-être. Ah bah si, il faut que tu sois là pour les photos. Bah oui, mais c'est demain que moi je vais le chalet. Là, je sais pas. Parce qu'on va pas aller faire des photos sous la pluie cet après-midi. Oh bah non, comme Alors ça. cet après-midi, dès qu'on voit une éclaircie, Dehors. on y va. Ok. Si toutefois on a une éclaircie dans l'après-midi. Ça veut dire qu'il faudrait que je sois maquillée au taquet et tout. Ah bah oui. Je veux pas voir apparaître ton angine. La mère indigne. Non, c'est une blague. Non, mais essaye d'être un peu belle. D'accord.
Non, je faisais une grimace dans la caméra, c'était pour te charmer. Mais ouais, du coup, ouais, il va falloir qu'on essaie de profiter. En même temps que je vous parle, je regarde mon radiateur. Vous vous souvenez l'écran qui avait fondu sur le radiateur? Attends, j'essaie de montrer. Voilà. C'est que tu peux retourner la caméra sinon. C'est... Non. Je n'ai pas l'option pour retourner ma caméra pendant la vidéo. Je vais comme ça ou je prends un manteau pour aller chercher de. Si, un pantalon, t'en as un dans le panier que j'ai plié. Merci. Et tu dois même en avoir d'autres là, dans le panier qui est à plier. Non, ça c'est à moi. Tu rentres dedans. Alors, celle-là, elle est trop forte. Bref, du coup, je vous montrais mon radiateur. Je n'ai toujours pas enlevé le plastique qui est collé dessus. Hein, donc, il va falloir que je m'en occupe, mais je ne sais absolument pas comment faire. Voilà. J'ai dit à Eric qu'en fait, je pense que je vais tout simplement retirer. Et je vais tricher, en fait, je vais repeindre avec de la peinture spéciale radiateur pour pas qu'on voit ce qu'il y a dessus. Quoi. Pourquoi je mets une solution Anaïs. Parce que j'aime bien mettre une capuche. Anaïs, elle fait l'e-book. Oui. Alors t'es comme moi, Anaïs. T'es comme moi, à chaque fois que je mets mon manteau, je mets ma capuche. Bah, heureusement que tu n'apparais pas dans le champ de. Par contre, toi, tu apparais dans le champ de la caméra. Quoi? Et tu me montres pas surtout. Il est en slip, il est en train de changer de pantalon. Eh hey. Pourquoi tu dis ça? Non, mais je vais faire des coupages, t'inquiète. Lapin crétin! Allez, va chercher du Nutella pour faire les crêpes. Vas-y, vas-y. Oh, on a vu un niveau passer. Ah, ça t'enlève. Non, mais je vais monter ça tout à l'heure. Bon, alors du coup, j'ai sondé ma communauté Instagram. Ma communauté de cheveux, non, ma communauté Instagram, qui m'a répondu à l'unanimité que tout le monde préfère avoir un vlog, alors pas forcément plus long, mais qui couvre plus de notre journée, donc c'est-à-dire plus tard le soir, publié le lendemain matin au petit-déj, c'est ce qu'on m'a répondu, au petit-déj, plutôt que le soir, du coup, en direct. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons filmer plus longtemps et je posterai, du coup, ce vlog ce soir, enfin, oui, hier, je le chargerai ce soir pour pouvoir le publier dès demain matin. Adam, il a sorti tous les. J'ai oublié de te dire, mais Adam, il avait sorti tout ce qu'il y avait dans le placard. Et ah, bah oui, j'ai tout vu. Relancé dans le couloir. En fait, ce matin, j'ai pris mon pied puis j'ai fait. Et j'ai tout repoussé dedans. Parce que j'estime que c'est pas à moi de le ranger. Je ne savais pas qui avait fait. Donc c'est Adam. J'ai laissé comme ça. Il a tout relancé par terre. En même temps, ça doit faire 10 fois que je vous demande de le ranger, ce placard, et qu'il n'est jamais rangé. En fait, j'ai un. Alors, c'est pas vraiment un placard, en fait, c'est un. Si, c'est un placard. J'ai une porte, quand j'ouvre, j'ai le ballon d'eau chaude, mais sur le côté du ballon d'eau chaude, j'ai un grand espace vide. Et on peut passer sur le côté du ballon d'eau chaude, mais c'est très mansardé, puisque, en fait, c'est ce qui donne sous mon escalier. Du coup, j'ai demandé à mon papa de me mettre un porte-manteau dans ce placard pour mettre les manteaux des enfants. Et bah, il s'avère que en fait, les manteaux sont partout sauf sur le porte-manteau. Donc par terre. Moi je trouvais que c'était génial parce qu'un porte-manteau sur le mur pour mettre les manteaux et par terre ils pouvaient mettre leur cartable, ça évite de faire le bazar. Et ben non. Ben non. Les cartables ne sont quasiment jamais dans le placard. Et les manteaux ne sont quasiment jamais sur le porte-manteau. En fait, ils sont par terre et c'est pour ça que les cartables ne sont pas dans le placard parce qu'il y a déjà les manteaux par terre. Voilà. Sauf que je m'ai perdue chaque jour à dire ramasser, ranger, remettez. Mais non. En vérité, quand je réfléchis, si je fais une petite introspection, je me dis qu'en fait, heureusement, que la fessée n'est pas ma méthode. Parce que je crois que sinon je les taperais toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est terrible de se dire ça. Mais malheureusement, c'est la réalité. Parce que personne ne fait ce que je demande. Là, je vous ai épargné. Tout à l'heure, j'ai attendu pour filmer que Adam ait terminé de débarrasser la table. Puisque quand je suis partie, en fait, déposer la voiture au garage, Adam se levait tout juste. Donc je me suis dit, je vais pas l'embêter avec ça. Il sait que c'est son tour de débarrasser la table. Ça sera sûrement fait quand je reviendrai. Je suis revenue du coup une bonne demi-heure, trois quarts d'heure après. Ça n'était pas fait. Il y a Marceau qui pleure là-haut.
Bref, donc il faut que je m'active. Donc je vais boire ma petite infusion quand même devant mon écran. Je vais regarder, je dois bien avoir un petit vlog à regarder là, sur les vlogs que je suis. Et ensuite, je m'active à faire... Bah, d'ailleurs, je vais regarder mon vlog en pliant mon linge et en prenant mon infusion en même temps. Et ça, c'est productif. Et après, bah, mission crêpe. Mission crêpe. Donc, bah, pas le choix. Faut se bouger. Allez, je m'active. Bon, il est 12h44. Nous ne sommes toujours pas à table. On est en train de faire des... Une crêpe partie. Une crêpe partie. Ça accroche. Ouais, ça accroche. Mais ouais, apparemment, ça accroche. Donc, d'habitude, ça n'accroche pas. C'est alors, en même temps, mon appareil multicrêpe, il commence à se faire très vieux. Du coup, il commence à être abîmé. Et... Mais voilà, les enfants ont été chercher du Nutella à la boulangerie pour qu'on puisse... Et cette fois-ci, prenez, je ne passerai pas. Mettre du... Tiens, donne, on passe en dessous, par contre, fais attention de ne pas raccrocher. Tire-le, l'appareil. Hein. Alors, on a une installation très... Sécurité. Sécurisée. Du coup, bah, on va manger nos petites crêpes. Et alors, cet après-midi, je ne sais pas, je ne pense pas que vous allez voir par la fenêtre, mais alors, le temps est pourri. Je suis un peu dégoûtée. D'ailleurs, j'ai même froid. Là, je pense que je vais aller enfiler des chaussettes et un gilet. Et ça me juge quand je fais du yoga. Hein ? Et ça me juge quand je fais du yoga. Non, mais moi, je ne vais pas me mettre une capuche dans la maison, Anaïs. Donc, je vais aller mettre des chaussettes, un gilet. Et puis, je pense qu'on va faire après-midi télé en famille, non ? Ça vous tente ? Ouais ! Bonjour, et toi ? Pour une sieste ? Bah, tu feras une sieste si tu veux, Anaïs. Moi, je ne dors pas la journée. Donc, donc ouais. Voilà. Après-midi sieste. Après midi, prévu de spécial cet après-midi. Tu pourras aller dans le clic-clac. Quoi ? Je lui ai dit, tu pourras aller dans le clic-clac. Bah non, j'en ai. Bah tu l'as pas monopolisé. Bon, tu me diras, on a deux canapés. Bah, oui, c'est on peut se permettre. Bref, bon bah sur ce, hein, j'ai hâte de manger, ça sent bon. Bon, j'ai demandé un coup de main à tout le monde et on s'active au ménage. Alors moi, je reprends mon... ma corvée de linge et puis ben, les autres, ils s'activent dans la cuisine et dans le salon. Alors je ne sais pas si depuis le début de mes vidéos, vous avez déjà vu mon salon rangé. Donc en fait, je vais vous le montrer, parce qu'il est bien quand il est rangé. Hein. C'est toujours pas très très beau, parce que forcément la maison n'est pas belle, mais... Voilà, Elsa, elle est en train de balayer le canapé, puisqu'ils ont mis plein de miettes dessus. Donc ça, c'est notre meuble télé, en fait, qui du coup me sert de table basse, puisque... Eric ayant ramené son canapé, on a été obligé de minimiser l'agencement de la télé. Et puis de toute façon, vu que moi j'utilise l'ordi sur la télé, du coup je garde la télé. Alors ça c'est le clavier que j'étais censée utiliser, puisque en fait, normalement je devais utiliser le Mac fermé. Donc clapet fermé, complètement poussé contre le mur. Du coup il rentrait... sous la télé, c'était parfait. Et j'aurais dû avoir un clavier et une petite souris à côté. Sauf que... en fait, les enfants ont perdu sur l'ordi. On branche une toute petite clé pour connecter le clavier et la souris. Ils l'ont perdu, évidemment. Donc du coup, j'ai recommandé une souris que je peux vous montrer, que j'ai reçue ce matin. Sauf qu'en fait, normalement... Je pensais avoir commandé un ensemble clavier, clavier souris, mais voilà, c'est pas du tout ce que j'ai reçu. Donc en fait, on a vérifié, et effectivement, c'était bien juste une souris. Donc ça, c'est mon canapé. Donc la table basse, Eric va l'emporter. Moi, je me rachèterai une table basse plus tard. Donc ça, c'est le canapé d'Eric. Dans la continuité, on a mon Voltaire que je vais refaire, mais pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps. Puis il faut que j'achète une bonne quantité de tissu, donc pour le moment, j'avoue, mon budget, je le consacre à autre chose. La bibliothèque, Eric l'emmène. Moi, je déteste avoir une bibliothèque avec du bordel comme ça apparent, donc je ne la garde pas. Ça, c'est mon bureau, du coup, que je viens de m'acheter. L'écran qui est sur le bureau, c'est notre télé en fait, puisque le Mac s'utilise sur la télé.
Voilà, donc là on a fait le tour de la pièce. Et alors les petits chichis que vous voyez là dans la cuisine, ils ont été déménagés provisoirement parce qu'Anaïs dort dans le canapé. Du coup, dormir avec les chinches, c'est juste impossible. Mais normalement, la cage des chinches est là à la place du Voltaire. Voilà. Donc, je vais continuer mon ménage dans la cuisine et je vais d'ailleurs nettoyer la cage des chinches parce que je devais le faire hier et je ne l'ai pas fait. Et là, les pauvres, ils ont un besoin d'hygiène. Donc, comment vous dire que ma maison a rarement été aussi propre? Je vais vous montrer un petit peu. Voilà ma cuisine. Bon, les vieilles, il reste quelques trucs. Mais... J'ai même rangé ma super commode. On ne voyait même plus la SodaStream tellement il y avait de bordel quand même. C'est pas faux. Mais oui. Ça, plus du coup le salon que je vous ai déjà montré. Mes petits chichis, ils sont tout propres aussi. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Maman. Je serais prête à dire, je refilme Maman. Dans une heure pour vous montrer parce que je pense qu'il n'y aura plus rien dans une heure. Et du coup, moi je continue en fait mon linge parce que j'ai déjà rangé deux paniers, j'en ai encore une qui est dans le sèche-linge. Puis celle-là je la range et là c'est Anaïs qui s'est lancée une lessive, mais après j'en ai encore au moins quatre encore à faire pour être à jour vraiment. Voilà, donc je pense que demain soir je serai à jour de linge. C'est grave. J'ai pas fait de linge pendant une semaine et voilà. Heureusement que mes enfants ont des armoires conséquentes. Là, il est 19h15 du coup. Moi, je termine mon linge. Anaïs est en train de préparer à manger. Eric rentre dans à peu près une heure. Donc, je pense qu'on aura mangé quand il arrivera. Mais ça, c'est pas trop grave. Comme ça, les enfants vont aller au lit parce que Marceau est détestable. Il n'a pas dormi de l'après-midi et il ne fait que pleurer. Bon les amis, il est 23h, je vais donc clôturer ce vlog. Le début de soirée était un peu compliqué. En fait, les enfants sont très difficiles au moment du coucher parce que Eric travaille d'après-midi, donc à 20h30 il est rentré, donc au moment où je veux les mettre au lit, en fait, Eric est là. Et donc ils ne veulent pas aller se coucher. Donc c'est très compliqué. Ça m'a un petit peu énervée. Heureusement, Anaïs était là. Du coup, elle a pris le relais, elle les a emmenés au lit et on a pu se poser tranquillement devant Grey's Anatomy avec, bien sûr, du linge à plier. J'en ai encore plein. Je ne t'ai pas dans la vidéo. Anaïs est en train de se moucher. Donc, j'ai passé ma soirée à plier du linge devant Grey's Anatomy. Voilà. Et j'en ai encore... D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu de lessive de relancer, là, derrière... Oui, c'est la mienne. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais relancer une lessive avant d'aller me coucher. Comme ça, je la mettrai à sécher en levant demain matin. Et puis, demain, je vais enchaîner avec encore au moins 4 lessives pour récupérer mon retard. Donc, ce soir, le ménage est à peu près fait. Disons que c'est rangé, mais que les sols ne sont pas faits. Donc, je les ferai demain matin. Et demain après-midi, en fait, on va se retrouver avec deux amis à moi et leurs enfants. Ils ont annoncé beau temps, donc j'espère que ça va tenir. Pour aller, en fait, au parc avec les enfants. On va prendre un petit goûter. Je pense qu'il sera sympa. Voilà. En attendant, je vais monter ce vlog parce que je n'ai absolument pas commencé. Et puisque le souhait de la majorité était de l'avoir au petit-déj le matin, je vais le monter et le charger ce soir. Comme ça, demain matin, j'aurai plus qu'à le mettre en public. Et il sera disponible, du coup, au petit-déj. Enfin, j'espère, au petit-déj, ça va dépendre de l'heure à laquelle je me lève. Hein, parce que si je me lève à 10h, vous ne l'aurez qu'à 10h. Voilà. Mais je ne me lèverai pas à 10h, j'ai des enfants. Oh, j'y crois pas trop. Non, mais le bazar qui faisait ce matin, je me suis levée à 11h. Ah oui, mais toi, mais pas moi. Moi, dès qu'ils font le moindre bruit, ça y est, je suis réveillée. Donc, a priori, entre 8h et 8h30. Donc, au plus tard, à 9h. Oh, les relous. Du coup, moi, ça me dérange pas parce que je t'avoue, me lever tard, j'ai un peu l'impression de foutre ma journée en l'air. Donc, voilà. Donc, demain matin, première.
publication de vlog le matin. On va voir comment ça se passe. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je suis fatiguée, en fait, j'ai même pas envie de monter mon vlog là ce soir, tellement je suis fatiguée. Mais je vais le faire quand même. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain au même endroit.